Merci Madame le Président, Madame le Commissaire. Ce rapport fait état de la mise en œuvre par les États membres du système de décision de protection européenne. Il consiste à appliquer dans l'ensemble de l'Union, pour un agresseur pénalement condamné, une mesure d'éloignement, une interdiction de se rendre dans certains lieux ou encore une interdiction d'approcher sa victime à moins d'une certaine distance. Sur le papier, cela pourrait être une très bonne chose puisque ce système devrait permettre de protéger efficacement une victime d'une nouvelle agression. Cependant, la mise en œuvre est rendue compliquée, voire même impossible, à cause de la réalité d'une Union européenne à 28. Compliquée car il faut nécessairement modifier le droit de plusieurs États membres sans porter atteinte au principe de subsidiarité et sans le faire à coup de sanctions qui sont et seraient contre-productives pour les femmes qu'il nous faut protéger. Impossible, car contrôler les allées et venues d'un agresseur dans un espace sans frontières aussi vaste que Schengen demanderait des moyens considérables et une coopération parfaite des services de police et des services juridiques des États membres. Alors comment prétendre pouvoir protéger les femmes, les enfants, les plus faibles, quand un terroriste est capable de traverser trois États après avoir commis un attentat meurtrier? Et comment voulez-vous protéger une femme victime de violences quand des quartiers entiers de nos villes deviennent des zones de non-droit pour elle? Ce système de protection qui existe déjà dans les États membres est une bonne chose, mais les limites auxquelles vous l'avez vous-même contraint dans une Europe sans frontières le rendent inopérant. Retrouvons pragmatisme et bon sens, et alors la cause des femmes et leur protection pourrait devenir l'une des priorités d'une coopération des nations européennes. Je vous remercie.